Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Edit à tester. J'ai eu un véritable coup de cœur. Je suis le travail d'un jeune illustrateur ivoirien qui s'appelle Opleru, et ce depuis le début de l'année 2018. Il s'était donné pour objectif de concevoir et de diffuser chaque jour, pendant 365 jours, une émoticône qui retranscrit les réalités ivoiriennes, mais aussi africaines. Et c'est un pari réussi. Et toutes ces émoticônes sont disponibles dans une application mobile dénommée Zuzukwa, qui signifie « image en BT », la langue de ma région. Cette appli mobile est disponible gratuitement sur Play Store, malheureusement pas pour l'instant sur Apple Store, mais ça ne devrait pas tarder. Et vous pouvez télécharger des packs d'émoticônes africains que vous pouvez utiliser exclusivement dans vos conversations WhatsApp. Et c'est trop top. Les émoticônes basiques qu'on retrouve habituellement, voici des émoticônes qui correspondent à nos réalités locales. On a par exemple des émoticônes pour différentes expressions du visage. Tu as vu, non? Le chip, parce que je ne veux pas faire de chou. Eh Dieu! Pardon? Chier! Et même les danses, par exemple. Le zouglou. Le pango, que je ne sais pas danser. Et le zoblazo. Trêve de bavardage, je vous montre comment ça marche. Je télécharge d'abord l'application sur Play Store. Voilà. Je vais taper, voilà, j'ai déjà Zuzukwa. Et je tombe sur l'application que j'ai déjà téléchargée. Vous voyez l'émoticône avec le bisap. Ça, c'est la bonne application Zuzukwa à télécharger. Je clique sur ouvrir. Et je vais tomber sur les différents packs d'émoticônes de l'application. Donc, vous avez le pack personne, nourriture et boissons, nature, activité, voyage et boutique. Donc, quand je clique sur les personnes, vous avez les différentes expressions faciales et les différentes danses qu'on peut retrouver en émoticône sur Zuzukwa. Donc, celui-là, celui-là et tout. Et on a également le pack nourriture avec le pain sucré, la bouillie. On a également le pack activité avec le tam-tam, le djembé, la walé et tout ce qu'on retrouvait aussi dans notre jeunesse. Voilà. Donc le pack voyage et lieu avec les waro waro, les gbaka. C'est très sympa. Et sur WhatsApp, dans une conversation, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je vais cliquer sur l'émoticône basique et je vais cliquer sur ce petit onglet. Et je vais voir les derniers émoticônes que j'ai utilisés. Donc par exemple, je vais cliquer sur cet émoticône-là pour « et Dieu », par exemple. L'émoticône « you play », l'émoticône « tu as vu, non ?» Voilà. L'émoticône de danse, je crois que c'est « the blazo », vous voyez. La papaye également. Et la fleur d'hibiscus, voilà. Donc, vous avez les différents émoticônes. Et puis les autres également que vous pouvez retrouver, qui ont été téléchargés précédemment dans le pack. Voilà, c'est top, c'est super sympa. La bouffe même, je peux mettre le foufou, le foutou, la sauce, ça c'est le chef gen je crois. La sauce graine, c'est trop bien. Bon maïs, voilà. C'est top. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez des émoticônes ivoiriennes et africaines de l'application mobile Zuzukwa? Est-ce que vous les utilisez déjà dans WhatsApp? Est-ce que vous trouvez ça utile? N'oubliez pas de vous laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Edit Brew TV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test, lequel? Restez connectés!